Magali. Bienvenue aux conversations à quoi on rêve. Avec ce balado, mon intention, c'est d'engager des conversations importantes. C'est ce que je fais tous les jours dans mes interventions avec les organisations. Donc, engager les conversations pour que les gens puissent se développer ensemble, puissent envisager des changements ou des innovations ou aller vers des aspirations communes de l'organisation. On est en transformation collective, on l'était déjà en transformation du monde du travail avant que le COVID nous frappe. On pourrait dire que dans les derniers mois, on est en accélération de cette transformation-là. Puis ce que j'ai envie de provoquer avec ce balado, c'est de vous faire entendre différentes voix pour qu'on puisse avoir une conversation la plus large possible, qui implique le plus de parties prenantes possible et qu'on puisse changer ensemble ou nous. Puis c'est important de savoir à quoi on rêve parce que c'est exactement comme en vélo. En vélo, là où on regarde, ça nous donne la direction. Donc, j'espère provoquer des rêves, provoquer des rêves communs surtout. Aujourd'hui, très, très heureuse d'accueillir mon invité, Sébastien Fauré. Allô? Salut! Salut! Comment vas-tu? En pleine lune, ça a l'air. Il paraît que c'est la pleine lune aujourd'hui, donc ça va comme ça. On va se faire une conversation de pleine lune. Alors, Sébastien, je prends quelques mots pour te présenter. Cofondateur du collectif Humaniste, tu es aussi chef de la direction et associé principal chez Bleu Blanc Rouge. Mm-hmm. Tu es un entrepreneur connu dans le milieu des communications marketing. Tu as œuvré depuis les 25 dernières années dans cette industrie-là. Et puis, tu sembles avoir, puis tu vas pouvoir nous en parler un petit peu plus, un désir vraiment important d'œuvrer dans la création d'agences indépendantes, n'est-ce pas? Puis, on va parler aujourd'hui de ton modèle, du modèle de ton collectif Humanize et en quoi c'est une façon différente de travailler puis que ça peut peut-être être inspirant. Mais avant ça, comme tout le monde, je te fais passer dans la petite moulinette du brise-glace. Mmh. Donc, toi, Sébastien, y a-t-il un objet que tu gardes qui a une valeur symbolique ou sentimentale pour toi? Très bonne question. By the way, ça... Il fallait que je cherche un petit peu, mais je n'ai pas l'habitude de... En fait, oui, je suis un écureuil, là, je garde plein de choses, mais rien proche, sauf un truc. Ouais. En fait, ce truc-là, c'est un Daruma. Je l'ai amené, là, il n'est pas bien loin. Là, pour... Je ne sais pas si tu as déjà vu ce truc-là. C'est ouais. Une coutume japonaise. Et ce Daruma-là m'a été offert par un des fondateurs de Bleu Blanc Rouge, s'appelle Serge Touga. À l'époque. Et le Daruma sert à t'aider à réaliser des objectifs. Et avant qu'il meure, il m'avait laissé ça parce qu'il avait reçu ça, lui, un des présidents de Toyota Canada. Et il avait gardé les deux yeux non peints. Parce que ce que tu fais, c'est que quand tu peins un œil, tu te fixes un objectif et tu peins le deuxième œil quand tu as réalisé l'objectif. Okay. Et il m'a laissé ça, il m'a dit « Sébastien, un jour peut-être que tu vas en avoir besoin ». Et il y a de ça 2 ans, j'en ai eu besoin. Alors, on a fait une petite cérémonie avec toute l'agence. On a peint un œil. Et puis, quand on a réussi notre objectif, on a peint le deuxième œil. Puis, on a dit merci à Serge. Alors, je le garde quelle pas loin. Quelle belle histoire. Mm. Je ne connaissais pas non plus l'origine du Daruma. C'est vraiment choc. Ben, merci de nous révéler ça. Ben oui. En fait, pour mettre le contexte, là, juste avant Noël, j'ai lu la nouvelle que le collectif Humanize avait remporté le prix du Canada Most Admired Corporate Culture. Ça paraît bien en anglais. Donc, un prix hein, pour ouais. Une culture organisationnelle ouais. Qu'on peut admirer. Puis c'est là où, en fait, ça a comme attiré mon attention sur la notion du collectif. Puis là, j'ai comme eu le goût qu'on en jase ensemble. Mm. Et donc, si tu veux, plongeons donc dans le sujet de ton rêve. Donc, le rêve qu'on a énoncé pour toi, c'est que tu rêves d'humanisme et de collectif. Bon, peut-être dans la vie en général, mais c'est précisément dans le contexte de la façon de structurer le travail. Veux-tu commencer par me raconter un peu l'histoire qui a mené à ce collectif-là? Oui, en fait, le collectif, écoute, c'est quelque chose qu'on travaille depuis vraiment plusieurs années. Là. On a commencé à y penser en 2010. Ça a accéléré en 2015. Il s'est devenu de plus en plus réel dans les 2 dernières années. Grosso modo, au départ, c'était la volonté de... Tu sais,
Quand on comprend notre marché, le marché québécois, puis le marché des agences québécoises, on se rend compte qu'on a au pied carré ici un des plus grands nombres de sièges sociaux de grandes agences canadiennes, Cossette, CBI, LG2 et autres, et plusieurs autres. Et tous les multinationales ont un bureau à Montréal. Donc, on est dans un milieu extrêmement compétitif. Et ce qui était clair, c'est qu'on n'arriverait pas à percer le marché régional, si on allait juste nous autres, notre petite agence, puis tranquillement monter ça, fallait se donner de la grandeur, de l'ampleur, de la capacité et de la profondeur. Donc, cette notion de l'union fait la force, de rassembler les forces vives était un besoin. Et par la suite, est devenue aussi une source de puissance, c'est-à-dire la majorité des agences sont très, très pyramidales, c'est-à-dire quelques experts, plusieurs gestionnaires et des exécutants. Et donc, étant un fervent entrepreneur et voulant que notre organisation devienne pérenne, on a inventé un système qui est complètement inversé, c'est-à-dire plusieurs experts et après ça, une structure qui soutient ces entrepreneurs-là pour qu'ils aillent plus vite, qu'ils aillent plus loin, puis qu'ils évitent de vendre à une multinationale quand ils veulent prendre la retraite. Alors, c'est un mélange d'obligations de marché, c'est un mélange d'ambition internationale nord-américaine, c'est un mélange aussi de réalisation de la nécessité d'avoir une profondeur de compétences et d'inventer un système entrepreneurial qui anime tout ça d'une façon à créer de la vélocité et devenir meilleur et faire une plus grande différence. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de mélange de raisons, mais qui nous ont amené vers cette notion de collectif qui n'est pas simplement un ramassis de choses, mais plutôt un assemblage de compétences et d'énergie pour aller plus vite et plus loin. Dans ce que tu as dit aussi, il y a un truc qui, c'est la notion aussi de, un peu une façon de protéger puis de garder les propriétés ici, hein? Tu l'as mentionné aussi, de venir Ouais, travailler ensemble au lieu de séparer. ça pour nous, moi, ça a toujours été, tu sais, ça a toujours vraiment été une grande tristesse pour moi de voir nos sièges sociaux vendus dans toutes les catégories, parce que je crois qu'on minimise l'impact négatif de la perte d'un siège social, c'est-à-dire d'un endroit où les décisions se prennent. Okay? Au-delà de l'argent, au-delà des finances, là, il reste que si tu veux te mettre chez toi, il faut quand même que tu prennes tes décisions. Et tous ceux qui ont vendu reconnaissent c'est quoi la grande différence. La grande différence, c'est qu'à un moment donné, on dit quoi faire. Puis quand on dit quoi faire, ben, les priorités changent, c'est pas nécessairement les tiennes. Et l'impact que tu as dans le marché, les relations que tu as avec tes collègues sont influencées. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'intangibles que l'on perd quand une boîte est acquise. Donc, la pérennité de nos organisations ici, pour ceux qui me connaissent, le savent, c'est quelque chose qui non seulement me passionne, m'anime, mais aussi m'enrage de voir comment on ne peut pas faire autrement. Fait que je suis un peu obsédé par ça, en effet. En fait, je rêve pas à ça, mais je suis obsédé à mon avis. Tu as dit une chose importante tout à l'heure, tu as dit que ce soit plus que juste un regroupement d'entreprises. Hein, parce que, bon, on pourrait regarder dans le dictionnaire c'est quoi la définition d'un collectif, là, mais l'idée, c'est pas d'être dans la sémantique, mais j'aimerais ça que tu m'expliques concrètement c'est quoi la différence du collectif humaniste versus un regroupement sous un chapeau, tu sais, par exemple. C'est dans le Ben, concret, ouais. c'est où que ça se distingue? Ben, en fait, tous les grands groupes de communication ont souvent, à travers des acquisitions, assemblé des boîtes. OK? Oui, effectivement. Et quand tu regardes, il y a toujours, je simplifie la outrance là, simplement pour animer la conversation, mais tu as tout le côté tangible, OK? Le nombre, le chiffre d'affaires, le nombre de personnes, le volume. Bon, ça, c'est le côté tangible. Fait que les gens disent, moi, je vais grossir ma patente, là, puis je vais mettre des patentes ensemble. La vraie valeur d'une organisation, surtout une organisation de service, encore plus une organisation de service dans le domaine du créatif, c'est la culture d'entreprise, c'est la relation des gens à l'intérieur de cette boîte-là qui l'anime. Okay? C'est ce corporate culture, la culture à l'intérieur de ça. Et donc, il y a une différence entre assembler des forces vives et faire en sorte que ces forces vives-là s'entraident et collaborent et créent un tout. Et accélère la capacité de ce qu'ils ont, le développement de leurs compétences, et ainsi de suite. Donc, la grande différence entre les assemblages à travers des acquisitions par des grands réseaux internationaux qui disent nous avons un plus grand réseau, quand tu creuses en dedans, quand tu rentres en dedans, quand tu ouvres le capot, le monde saillisse, le monde se parle pas, ils se comprennent pas, ils se respectent pas. Et donc, ce n'est qu'un assemblage de gens
Nous, ce qu'on essaie de faire, puis comprenez-moi bien, là, c'est vraiment un travail quotidien, puis on n'est pas rendu C'est un encore. work in C'est progress. Vous êtes ah, encore au dernier totalement. Puis step. à chaque fois qu'on réussit quelque chose, on se rend compte qu'il y a un autre niveau de performance, puis on va encore aller plus loin. C'est de faire en sorte de créer un tout uni, mais qui est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus qui a de meilleures capacités et de meilleures ressources du fait qu'on a assemblé des forces vives, mais là, maintenant, ils travaillent ensemble, puis ils s'aiment. C'est con, là. C'est con, mais c'est souvent ça. Ben, en tout cas, pour avoir déjà travaillé dans les agences de réseau, effectivement, les gens ne se parlent pas, là. Je ne sais pas s'ils saillissent, mais en tout cas, ils ne se parlent pas. Fait que finalement, ça donne comme rien d'être en réseau, des fois. Dans le fond, ce que tu m'expliques, là, c'est que c'est la manière dont vous avez, j'ai pas le bon mot, là, mais la manière dont vous faites collaborer ces gens-là ensemble, c'est là où la distinction se passe. Tout C'est est là. Dans le concret de tous les jours, tout est là. Comment on travaille ensemble. Tout est là. N'importe qui travaille dans une dynamique d'équipe voit la différence entre une équipe qui est assemblée et une équipe qui est unie. Okay? C'est très différent les deux. Puis, si je prends une analogie, je ne suis pas un amateur de hockey, mais regarde des groupes d'étoiles. T'sais, quand ils mettent des joueurs de différentes équipes ou des équipes nationales, okay? Une équipe qui est faite de gens qui ont des compétences, qui sont reconnus dans leur domaine, puis qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, qui ne se connaissent pas, qui ne s'apprécient pas, qui ne connaissent pas les forces et les faiblesses de tous et chacun, ils ne font que travailler ensemble. Il n'y a pas de chimie, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de momentum, il n'y a pas de... Et donc, ça ne crée pas une valeur supplémentaire. Donc, notre obsession, c'est qu'on a des spécialistes de différents domaines qui sont drivés par des entrepreneurs avec différents vécus et que tout ce bon beau monde-là reconnaisse, apprécie, valorise les différences pour faire en sorte qu'on ait une équipe qui est beaucoup plus forte. Et là, on le voit, là, ça commence à marcher. La chimie est en train de gel. Ça se construit, ça. C'est pas parce que tu dis ça que c'est... C'est ça. Ça se construit, puis plein de sujets. Puis là, la pandémie nous a aidés. Le Black Lives Matter nous a aidés. Nos ressources spécialisées dans l'animation de ce que l'islam nous a aidé, la co-création, les principes de co-création, tout ça arrive en même temps, font en sorte que tout le monde est mobilisé à inventer ce prochain truc et non pas le subir. Fait que c'est pas mal différent, puis là, le monde commence à avoir du fun. Fait que c'est très, très satisfaisant. Puis c'est ça que le prix a reconnu ou a observé, en fait. Ouais, puis... Ce que j'entends dans ce que tu dis aussi, c'est que c'est un projet qui se co-construit pendant que vous le vivez. Donc, évidemment, c'est pas toi seul dans ton petit bureau qui gère ça. Ça serait complètement... C'est drôle ce que tu dis. Puis c'est drôle parce qu'il y a sûrement des gens qui me connaissent depuis un bout de temps. Puis c'est sûr qu'au début, c'était le projet à forêt, tu sais. Ça a rentré comme ça. Ça a commencé comme ça. Puis, on a fait un offsite juste avant la deuxième vague. OK, on a une période où est-ce qu'on avait encore le droit de se voir, là. Parenthèse, là. Ouais, c'est ça. Puis, écoute, jusqu'à, c'était, on a commencé, ça a commencé un lundi, puis jusqu'au dimanche après-midi, je savais pas trop si on le faisait ou pas. Puis on s'est rendu au Sandbanks, puis on a fait un. Et là, dans le meeting, on s'est donné un BHAG, puis on a commencé à travailler sur où est-ce qu'on voulait aller. Puis, à un moment donné, le monde, on dit, on a le goût de l'inventer ensemble, t'as pas tente, là. Puis moi, en fait, c'est moi qui leur ai demandé. Je lui dis, écoutez, guys, c'est le fun. Premièrement, c'est le fun que vous soyez tous là. Hein. Deux, c'est le fun que vous ayez l'intention d'être ensemble, de travailler ensemble puis de collaborer. Mais je dis, là, je tenais que ça puisse être perçu parce que ce n'était pas l'intention. Mais ça peut être perçu comme mon projet. J'aimerais ça que ça soit le nôtre. Et puis les gens ont dit présent, ils ont levé la main, ils sont levés debout, ils ont dit Chris, on va le faire. Ils n'ont peut-être pas dit Chris, là, parce qu'il y a des Anglais. Mais tout le monde a dit let's go, puis on va l'inventer. Puis on est en train de l'inventer, là. On est en train de faire des principes clés, on est en train de regarder chacune de nos. Puis on est en train d'inventer les formules clés qui vont faire que ce collectif-là va se tenir, puis il va atteindre son BHAG dans les prochains 10 ans. Alors, c'est en transformation. C'est quand on dit. En fait, on est en train de changer le moteur pendant que l'avion roule. C'est pire que changer juste les roues, là, tu sais. tu l'as dit, tu sais, vous êtes en train de, comme, d'écrire le livre, en fait, du comment. Oui, le livre, totalement. J'imagine que ça touche tant des principes de travail collectif que ça doit toucher aussi des principes de comportement individuel. Ouais. Puis là, je vais t'emmener sur ce terrain-là, c'est que, tu sais, la culture, là. Oui.
il y a quoi, une couple d'années, là, tout d'un coup, on a commencé à en entendre parler. Ça a toujours existé, là, les cultures organisationnelles, mais on a commencé à en entendre parler beaucoup, 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 puis c'est On a beaucoup commencé à le nommer, progressé. ouais. On a commencé à le nommer, puis on a commencé surtout à en parler à cause de la fameuse pénurie de main-d'œuvre, puis là, c'est comme devenu important de se soucier de la culture. Bon. Évidemment, toi puis moi, on le sait que la culture, c'est bien subtil, c'est présent partout, puis c'est vraiment dans les petites nuances, puis dans les petites façons, hein, le comment, ce qui se fait pas, puis comment qu'on fait ça chez nous. Bon. Mais vous, là, pour pouvoir faire cette transformation-là, j'imagine que vous avez dû ou vous êtes peut-être en train d'identifier des anciens réflexes, anciens comportements, puis les nouveaux qui vont faire. T'sais, ça suppose que les gens aussi se modulent, hein, dans cette transition-là. Eux aussi, il faut qu'ils changent, j'imagine, qu'ils changent leur habitude de leur mindset, leur façon de faire. En fait, écoute, c'est un sujet, on pourrait en parler pendant 6 heures, OK? Mais y a deux, trois affaires clés là-dedans. Vas-y donc. Le premier, c'est sûr que le casting des gens qui viennent chez nous, c'est du bonbon. Ça part de là. C'est niaiseux à dire, là. Puis Mais avant, il c'était faut pas que tu. important? Ben avant ça, sans joke, avant ça, là, tu te permettais de rentrer des trous de cul parce qu'il était bien bon dans quelque chose. Donc avant, l'expertise allait primer, par exemple. Ouais. OK. Genre, il est bon en tabarnouche. Ouais, mais c'est un assis de manger de OK. marde. Ouais, mais Mais c'est là, pas ça grave, il est marche plus, bon. ça. Pas en tout. L'expertise peut plus primer. Mais Non, parce que ça vient tuer l'esprit d'équipe. OK? Ça tout à fait. vient, ça OK. vient. C'est comme si tu mettais un gros caillou dans ton soulier. Là, tu vois, mais Ouais. c'est un caillou d'or. Ouais, mais tabarnak, il fait mal pareil. Là, bon, fait que, ça, c'est déjà la première affaire. La deuxième chose, je te dirais, c'est qu'il faut quasiment que les gens aient souffert d'être seuls. OK? C'est con, là, ce que je te dis là. Ça a l'air un peu Non, non, niaiseux, non, là. non, Mais, je... tu sais, à un moment donné, le monde me dit pourquoi le monde vient dans le collectif? Bien, souvent, c'est du vent du monde qui a eu mal. Puis, ils se sont rendus compte que quand tu es seul, c'est moins pire quand ça va pas bien. Fait que tu veux pas que ça arrive. Fait que tu veux pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Mais le collectif, ce qui est le fun, c'est que la culture d'entreprise, c'est l'entraide. Tu sais, c'est genre, ça va pas bien le matin, comment ça va pas bien, ouais, qu'est-ce que je fais pour toi? Hey, juste ça, là. Quand tu as une mauvaise journée, là. Mais quand tu es seul chez vous, là, que de ce temps-ci, c'est ça qu'on vit, là. T'es chez vous, là, ça va pas bien aujourd'hui. La pleine lune, elle t'empêche de dormir, puis Ouais, ça, là. puis t'es un solopreneur tout seul chez vous, là, Hey! OK, t'appelles tes chums, t'es dans un peu de gaz, t'sais. Bon, fait que cette notion-là de sentir le besoin de s'entraider, puis la valeur de ce que ça représente. Bon, puis après ça, c'est comment tu crées quelque chose ensemble. Puis là, c'est là qu'est le plus difficile, parce qu'il faut mettre les gens dans le mouvement, puis on veut que les gens soient auto-motivés. Puis là, il y a un truc, un principe qui est ben, qui en fait, la pandémie fait accélérer ça, puis ça, tout le monde le voit là, OK? On était et on est encore, pour beaucoup de gens, des petits hamsters qui roulent dans la trottinette. On roule. À un moment donné, la trottinette a bloqué, tu sais. Puis là, on se rend compte qu'on est dans une cage. Puis là, on se rend compte que c'est une job. Puis là, on se dit, ouais, la vie va vite. Puis là, tu sais. Fait que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la tête des gens. Puis On est en période de crise existentielle collective. C'est ça que tu nous dis? on se rend compte qu'on est des petites crises à hamster, puis ça serait le fun qu'on soit autre chose, tu sais. Puis tant qu'à faire le hamster, il faudrait que la roulette elle fasse tourner quelque chose qui est utile, parce que sinon c'est longtemps, puis ça sert pas à grand chose de faire du sur place. Ouais, puis quelque chose de plus grand que soi, puis de faire voilà partie, voilà puis la voilà voilà recherche du belonging, la c'est ça, communauté, tout c'est ça. ça. C'est C'est pour ça que tout le magnifique. monde, on est sur les humains de ce temps-ci, puis l'humanité, puis l'humanisme, puis la bienveillance, puis Mais tout c'est parce qu'on en a souffert, comme tu dis, là. ça. Ben, c'est qu'en fait, avant ça, on était un peu zombie, tu sais, on s'en rendait pas compte. Puis là, à un moment donné, quand tu mets ça sur pause, puis là, tu fais comme, tu regardes autour, tu dis, coudonc, c'est-tu vraiment ça, la vie, tu sais? Fait que là, ce qui est en train de se passer, c'est que là, tous les gens qui sont ici, ils disent, hey, on a du fun ensemble, puis on veut faire de quoi de plus grand, puis on veut être dans le do good again, puis on veut faire du bien, puis là, ça amène la culture d'entreprise. Fait que c'est un peu, c'est trois buckets, là, je te mets les trois plus importants, là, mais je dirais que la pandémie a accéléré la prise de conscience, a augmenté les remises en question. Et donc, ça fait aussi, tu sais, ce qui est drôle dernièrement dans des meetings de leaders, à un moment donné, il y a deux personnes qui sont levées debout, tu sais, il faudrait qu'on ait du fun, tu sais. Faut qu'on ait du fun. Et là, tu fais comme, ben oui, c'est sûr. Non, 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 tu comprends pas. Faut que ça soit le fun. Qu'est-ce que par là, tu sais. Mais c'est bien trop court, si on n'a pas de fun, c'est bien trop plate, c'est bien trop faux. Faut absolument. Il y a beaucoup de remises en question de ce temps-ci, c'est ça qui est le Mais fun. ça veut dire, c'est que ça donne du gaz
au projet que vous avez démarré, inévitablement, tu sais. Ça, en fait, c'est drôle, j'ai fait une prédiction au Grenier Nouvelles, je crois. J'ai dit, on va rentrer. Tu parles de pleine lune, de prédiction, je te rappelle. Mais non, mais prédiction, ça c'est long. Tu as un gros mot pour dire. On m'a dit, qu'est-ce que tu penses, ça va changer? Ben, je pense qu'on va rentrer, on rentre dans cette pandémie-là, 8 business à côté, qu'on a rassemblés, ouais. Puis on va sortir de là comme un collectif. Mm-hmm. Puis sans joke, là. J'aimerais ça que ça finisse demain matin, là, puis de sortir, puis qu'on n'est pas encore totalement jelly, là, mais les six prochains. Ouais, solide. Parce que ça a aidé des gens à passer à travers, puis plein de beaux d'autres raisons qui sont des choses vécues. Il y a un truc dont tu nous as parlé qui fait un écho dans ma tête. Tu sais, quand on parle des principes de collaboration, là, dans les. On parle beaucoup là, dans la littérature en ce moment, là. Tu sais, il faut passer d'un mindset égo à un mindset écosystème, OK? Bon. Ouais. Bon. Puis là, le lien que je fais avec tout ce que tu me racontes, puis tu sais, pour la petite histoire, moi, j'ai déjà œuvré dans ce monde des communications marketing. Ouais, tout un temps, ouais. Des gens allumés, passionnés et quand même assez compétitifs, là, puis visant la performance. C'est un challenge, cette notion de l'objectif collectif, d'être plus dans le collectif versus mon « je », ma réussite, tu sais, il faut se le dire, là, c'est pas notre. On n'est pas. On n'a pas été programmé comme ça, disons. Quand tu arrives à un certain niveau, tu te rends compte que. De seniorité ou. De calibre de produit, de taille d'organisation. À un certain niveau. De maturité, là. Ouais, genre, ouais. À un moment donné, tu te rends compte que there's so much you can do on your own. Bon, ça, là, déjà, à un moment donné, le monde commence à réaliser. Deux. La complexité des projets aujourd'hui qu'on a de nos clients demande la collaboration de différentes expertises. C'est sûr que, en fait, ce qui est drôle, c'est que il faut quand même que tu en aies des gens qui aient de l'ego. Ah oui, dans une équipe. Sans ego. Ben, ça t'en prend. En fait, ce qui est le plus drôle de ce temps-ci, c'est pas autant que tout le monde doit enlever des trucs méchants. C'est, mettons que tu as des trucs qui sont plus ou moins négatifs, plus ou moins positifs, c'est comment tu crées une équipe qui est bien balancée. Tu sais, quand tu fais balancer tes pneus, là, tu changes pas le pneu, tu rajoutes des petites pesées qui fait que ça reste droit. Ben, c'est un peu ça qu'on doit faire. C'est comment est-ce qu'on utilise les forces et faiblesses? Comment est-ce qu'on crée une équipe balancée? À un moment donné, on frappe un nœud sur un projet, ça prend quelqu'un qui a du front autour de la tête pour brasser ça, puis aller chercher. Bon, puis d'un autre côté, quand on vit une difficulté ou un passage à sec, ben ça prend du monde qui prenne soin des autres. Tu sais, la notion d'hunter farmer, la notion de tout ça là, ce qu'on découvre aujourd'hui, puis pourquoi le collectif nous obsède, c'est ça prend tout pour faire un monde. C'est con ce que je dis, mais c'est tellement vrai. Ça prend tout pour faire un monde, ça prend tout pour faire une bonne équipe. Puis, quand tu as des équipes bien balancées, bien organisées, tu peux passer à travers des choses qui sont phénoménales. Fait que c'est dur de ce temps-ci. T'sais. Toute la business est difficile. Les projets sont complexes. Le marché est... Les gens sont plus loin. Là. Il y a moins de proximité. C'est plus facile. Écoute, ça n'a jamais été aussi compliqué puis aussi difficile. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'union fait la force, plus que jamais. Et on doit apprendre puis valoriser les superpowers des autres plutôt que de les voir comme des raisons pour lesquelles on n'est pas capable d'arriver à notre fin. T'sais. Je t'écoute parler, tu sais, puis ça me fait penser à plein de workshops que je fais avec les équipes. C'est sûr. Puis je me dis que, évidemment, encore une fois, c'est pas juste Sébastien qui check puis qui donne du feedback puis qui balance. Ça suppose que les gens apprennent aussi à se regarder, à se challenger mutuellement. Fait que ça devient une responsabilité collective. C'est tous des réflexes qui sont peut-être pas naturels dans nos modes traditionnels d'organisation, mais qui se développent et qui vont avec le concept du collectif, là. Mais les jeunes générations. C'est une co-responsabilité, le collectif, là. C'est pas. Ouais, tu peux dire ça. Malgré que ça prend quand même des gens à certains moments qui callent des shots pour faire en sorte bien qu'on sûr. Reste à la traque. Mais oui, c'est une co-création, c'est une co-responsabilité, c'est une collaboration. Ce qui est très intéressant. Puis ceux qui ne le voient pas venir vont être frappés, mais pas juste avec un coup de 2x4 dans la tête. Là, ça va passer par en arrière, puis il va passer bord en bord. C'est les jeunes générations. Les jeunes gens éduqués là, sont là, ils sont drettes de même, eux autres. Là. Eux autres, là, ils naissent. Là. Tu sais, ils naissent, premièrement,
noir, blanc, jaune, orange, vert, whatever, une oreille, deux oreilles, trois yeux, les autres, t'es une personne, t'es un quelqu'un. Les gens-là, ça règle bien les affaires. Deux yeux, ils sont complètement là sur faisons du bien. Fait qu'ils sont déjà là, ils sont guéris par en dedans, ils sont ancrés dans, pas juste dans l'ego, là, genre je veux faire de Ouais, l'argent, d'ailleurs, mais c'est OK. démontré que ça fait partie de leurs critères pour savoir C'est s'ils ont envie de ça. travailler quelque part. C'est ça. C'est bien différent Puis, de d'autres personnes. m'a dit, j'en connais pas beaucoup dans nos jeunes qui drivent, là. Des jeunes qui sont, j'en connais pas beaucoup qui sont insensibles à l'effet secondaire d'un commentaire, d'une observation, d'une action. Ils sont extrêmement sensibles à est-ce que j'ai bien agi, t'sais? Fait que, Fait que ce que tu dis, c'est que c'est comme le mode de fonctionnement naturel totalement. des générations plus jeunes Ouais. qui Puis, ils rentrent veulent dans pas. ces Puis, tu sais, on oublie tout le temps, hein, mais nos systèmes de gestion qu'on monte encore en beaucoup d'endroits ont été inventés il y a 50, 60, 90 ans, quand il y avait des gens qui étaient éduqués et d'autres pas. C'était ça le point. C'est-à-dire, on va le défaire en petits morceaux pour dire, toi, le champion, tu fais systèmes-là. de ça à ça, puis t'arrêtes, puis pose pas de questions. On voulait surtout pas que les gens pensent, en plus, Ben, complètement le c'était plus contraire de ce compliqué que tu parce que, ouais, il dis. fallait que tu leur dises pourquoi il ne fallait pas qu'ils fassent autre chose. C'est fou, là, quand tu y penses. Fait qu'aujourd'hui, on peut plus, on n'a plus moyen d'avoir des gens qui sont résignés, des gens qui viennent faire une petite job, faire un petit projet. On veut plus de ça. Fait que je pense que les prochaines générations sont totalement dans ce mindset-là, puis ils en demandent, puis ils sont précommandés, ils sont pré le setup, le système informatique, le système mental, il est déjà pas mal dans cette traque-là, là. Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est que c'est comme si le collectif est un modèle qui va de soi avec cette génération-là. Ouais, Puis donc, totalement. c'est peut-être plus des comme toi, là. Bon, t'es pas vieux, mais t'es dans les plus vieux en haut. Donc, c'est Ouais. plus toi qui es en train de cheminer puis t'adapter à tout ça d'une certaine Totalement, manière. totalement, totalement. C'est vraiment, pour moi, tu sais, quand tu m'as demandé à quoi je rêve, en fait, c'est pas je rêve, là, mais c'est un rêve éveillé, là. C'est vraiment un thrill. D'inventer, en fait, la vraie truc qui m'anime, là, pour comprendre d'où ça part, c'est la pérennité de nos organisations. C'est comment on fait pour que ces organisations-là passent au prochain et que pendant que les personnes, ceux qui ont le talent de l'idée, d'animer, ben, ils vont bénéficier de la valeur qui est créée, mais ils passent la machine pour que d'autres se créent de la valeur. Tu sais, C'est ça. c'est comment on crée un système qui est pérenne. Et pour ça, il faut commencer à regarder comment l'énergie vient. Tu sais, un truc que je dis à tout le monde, je dis, n'oubliez pas là, que quand quelqu'un rentre chez nous, là, dans 9 fois sur 10, là, je peux vous garantir que cette personne-là ressort. Fait que tu l'as pendant la période de temps X. Puis ta C'est comme job un à toi, là, employé, là. ouais, ta job à toi, c'est de faire en sorte que cette période-là dure le plus longtemps possible, puis cette personne-là s'améliore le plus possible, puis c'est ce qui fait qu'elle va rester le plus longtemps possible. Fait que là, ça change le. C'est plus genre, j'ai une boîte à remplir, je peux trouver le meilleur candidat le plus cheap possible, puis qui m'amène le moins de problèmes pour faire la job. Non, non, c'est celui qui va venir, qui va tellement avoir de fun, qui va contribuer à l'évolution de la patente, qui va amener de l'énergie, qui va amener des chums, qui va amener des clients, qui va rendre tout le monde content, qui va bâtir quelque chose, qui va faire de l'argent aussi, parce que c'est pas contradictoire, qui Non. va créer de la richesse, mais il sait qu'il fait quelque chose, qu'à un moment donné, va servir à d'autres. Puis l'objectif, c'est que ces boîtes pérennes-là, quand tu as une nouvelle génération de leaders qui rentrent, ils ne rentrent pas dans une boîte qui est régionale, ils rentrent dans une boîte qui est nord-américaine. Puis la prochaine génération, quand elle va être internationale, puis ainsi de suite. T'sais. Fait que Donc, on c'est revient à ton obsession du début aussi. totalement. Moi, je ne suis pas même brillant. C'est pour ça que je m'en passe, parce que T'es je ne focus. suis pas trop intelligent. Fait que, ouais, c'est ça. C'est sûr que, mais il faut que ça soit pérenne. Ça n'a pas de sens. Le short, les vues à court terme, que ce soit financier, que ce soit politique, tout ça nous tue, ça se fait pas. Ça prend du temps à bâtir des trucs, puis grandir, puis bâtir sur du solide. Ça prend du temps. C'est pas vrai que tu peux monter une maison de 10 étages en 2 semaines. C'est de la bullshit, là. Ça sera pas fait de crack, là. En tout cas, fait comme. Fait qu'écoute, il y a une chose qui me frappe, c'est que
faut que ça parte d'un vrai rêve, tu sais. Tu ne peux pas t'embarquer dans un projet de même juste pour que ça fasse beau sur papier, là, puis que ça fasse... C'est bien trop d'ouvrage. C'est ça. Mais ça prend l'énergie quand tu nous en parles, puis quand tu parles de ta motivation personnelle, tu sais, on voit comment tu t'animes, puis je peux voir que c'est ça qui te permet de mettre de la gaz, puis qui t'a permis de contaminer, si je peux dire, d'embarquer les autres là-dedans, tu sais. Imaginons là qu'il y a du monde qui entend notre conversation, puis que c'est comme le goût là, ils se questionnent là parce que tu sais c'est appétissant tout ce dont tu nous parles là. Ouais. C'est quoi un gars qui a déjà marché les premières étapes là, c'est quoi les premiers pas ou les premières questions que ce monde-là devrait se poser là avant de se lancer ou avant de cerner le rêve du collectif? Ben, écoute, c'est une bonne question. Je sais pas. Tu sais, moi, on l'a fait parce qu'on était obligé. Tu sais, on avait un besoin de. C'est parti de là. Après ça, on a dit c'est une bonne solution. Puis, ce faisant, on a eu du plaisir à le faire. Puis, on a de plus en plus de plaisir à le faire. Tu sais. Je crois que cette union fait la force. Tu sais, on est dans un petit marché. On oublie ça. Tu sais, on oublie ça. Fait que pour avoir du succès dans un marché comme celui-là, à l'échelle nord-américaine, il faut sortir. Mm-hmm. Fait que si, puis en fait, alors, c'est parce qu'il faut que tu expliques, c'est le temps qu'on a dans une carrière, si on n'est pas capable de monter suffisamment en haut assez rapidement, on ne change pas de ligue. Tu me suis? Mm-hmm. On reste, je sais faire un métier, je crée une organisation, cette organisation prend de l'ampleur. Juste ça, là, ça prend souvent une carrière. Puis tu finis, là, la personne, elle monte une business de 100 personnes qui fait 10 millions par année, puis elle avance parce qu'elle n'est pas capable de trouver de la relève. Fait que là, quand tu observes ça, quand tu comprends ça, ben un, il faut que tu te reconnaisses à quel point ça vaut la peine d'être ensemble puis ça aller plus vite puis aller plus loin. Deux, il faut que tu aies envie, il faut que tu aimes les gens. Faut que tu aimes les gens puis que tu reconnaisses que ces gens-là peuvent t'apporter quelque chose. Trois, peut-être, un des critères, un des facteurs de succès, c'est de connaître dans quoi tu n'es pas bon. Mm-hmm. Moi, ça m'a coûté cher d'apprendre dans quoi je n'étais pas bon. Puis, j'ai encore des affaires que je pense que je suis meilleur que je suis vraiment. Fait, quand tu reconnais dans quoi tu n'es pas bon, tu vas chercher des gens qui te complètent puis tu es capable de partager. La générosité est fondamentale. Le partage, le faire pour les bonnes raisons. C'est sûr que j'ai le feeling que c'est ça, moi, Sébastien. J'ai le feeling que si les gens questionnent là-dessus, c'est de s'arrêter, c'est de dire, OK, mais moi, je ferais ça pourquoi? Ça serait quoi mon... Ouais. Toi, tu l'avais ton feu, là, tu nous as pas bien parlé. Ouais. Ben pour aller dans une direction comme ça, faut comme avoir une clarté de c'est quoi le rêve, puis pourquoi ce rêve-là, il est pertinent pour moi, puis qu'est-ce qu'il va m'apporter, parce que sinon, écoute... C'est sûr que, tu sais, si l'objectif, c'est de faire du cash, là, pour mon petit moi-même, là, c'est pas la bonne méthode. C'est bien trop compliqué. Le bon chemin, non. Par contre, si tu veux qu'il reste quelque chose, tu sais, moi, j'ai vu du monde là, faire de la grosse argent. Mais de la grosse argent. Là. Malheureux comme des... Malheureux, là. Ils ont monté une business, ils ont caché, ils l'ont vendu. Puis là, ils ne savent plus quoi faire. Je fais quoi, là? Ouais, mais là, je ne me retrouve plus. Là, je consulte. Là, je dis, hey, Chris, moi, pas le goût de ça, là. Dans ma gang, moi, je suis prêt à laisser 20% sur la table là, pour me balancer chez nous, là, sur la galerie. Là. Avec un sourire. Puis là, avec une banane d'en face, je me dis, ma gang de clowns viennent de gagner, je ne sais pas, moi, viennent de gagner Apple Worldwide. Ah, ben, t'as mal, là. Écoute, sais-tu quoi, ça me fait tellement plaisir. Je te jure, je prends, à ce moment-là, je me fais un bon dry martini, puis je m'assois sur la galerie, puis je me dis, maudit, qu'est-ce qu'ils l'ont? Ils ont réussi, la gang de malins, tu sais. Ça, là, ça n'a pas de prix. La legacy... La motivation profonde, c'est vraiment la notion de léguer, de laisser... c'est comme une... Tu sais, tu passes le flambeau... Ouais, écoute. Dans ton histoire, là, dans ton histoire, tu es un petit peu encore dans l'histoire, tu sais, parce que c'est la gang à qui t'as laissé. Fait que là, tu te berces, mais tu fais partie un peu de... Tu sais, t'es un morceau de toi là-dedans, là. Mais tu sais ce qui m'obsède, de la deuxième obsession, quand tu parles de la pérennité comme étant une obsession, le vrai problème, c'est que la pérennité soit... pérenne. C'est-à-dire que on ne donne pas les guides à une gang de clowns qui, pour l'appât du gain, vendent l'entité à un grand réseau juste pour faire du cash dans leur poche. Tu sais.
puis priver les prochaines générations de cet outil-là pour se développer puis développer des compétences dans notre marché puis de faire en sorte que le petit gars qui naît au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui rêve de faire de la pub, qui voit à TV, qui n'a pas de place à aller à part s'il faut qu'il déménage, tu sais. Ça, là, ce qui me préoccupe, puis là, je suis en train de checker plein de systèmes, puis tout ça sur comment on fait pour que les gens ne puissent pas dilapider en une génération le travail qui a été fait pendant 20 ans. C'est ça qui est pas angoissant, parce que où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Mm-hmm. Mais là, aujourd'hui, j'ai des partners là, que je les regarde dans les yeux, puis je sais qu'ils le feront pas. Mm-hmm. Mais à un moment donné, il y a peut-être quelqu'un qui va réussir parce qu'il va être plus malin que les autres, puis va faire plus semblant que les autres, qui va réussir à rentrer, puis il va dire « J'ai le contrôle, fuck you, ching ching, bang bang. » Tu sais. On veut pas que ça arrive. Fait que c'est vraiment un plaisir. Honnêtement, de ce temps-ci, c'est trippant parce qu'on sent qu'il y a de la vélocité, on sent qu'il y a de l'attraction, on sent qu'on apprend des choses, on sent qu'on est en train de développer un modèle, on sent qu'on est en train de laisser quelque chose, laisser une trace positive, on sent qu'on le fait pour les bonnes raisons. Les clients viennent pour ça. Puis les humains sont au cœur de notre patente parce qu'on est tous des pères, des mères de famille, on est tous des gens qui aiment les gens, puis juste qu'il y a du monde mal intentionné des fois en business, c'est fait que c'est un peu tout ça là, c'est un mélange de faire les bonnes affaires, faire du bien, faire du bon, puis bâtir de quoi qui reste. Fait que c'est un peu ça le fondement de l'intention hein, de tout ce projet là. Ouais, c'est ça, c'est qui sont les points communs qui rassemblent les différents individus qui sont autour du projet. Ouais, parce que tu sais, pour ceux qui me connaissent là, ça fait 2-3 fois que je recommence là, tu sais. Des façons de parler, mais t'sais, on a pris une business de 30 personnes, on l'a monté à 120, elle est redescendue à 80, on l'a remonté à 100. Puis là, on est rendu, je pense qu'on est 250, pas loin de 300, puis on a 50 postes ouverts. Okay? Fait que là, on est en train de passer à la prochaine étape. Mais il y a eu des avancées, des reculées, tu sais. Fait que si j'avais pas ce thrill-là, si cet ancrage-là était pas, c'était juste une affaire d'ego. Moi, t'as dit, j'aurais vendu ça, ça fait longtemps, tu sais. Mm-hmm. Puis, j'aurais fait autre chose, tu sais. Pas j'ai acheté une ferme, tu sais. J'ai poussé des radis. Whatever. Si t'avais, écoute, je sais que t'aimes pas ça de faire positionner dans cette chaise-là, mais je le fais pareil. Si t'avais un conseil, une question ou un message que tu veux laisser en conclusion, je te laisse le mot de la fin, là. Pourquoi on t'sais, on n'est pas obligé de changer toutes nos entreprises en collectif, mais je t'écoute parler puis je me dis qu'on devrait tous avoir au moins cette valeur-là dans notre mindset, dans notre monde d'aujourd'hui. Là, puis pour qu'on s'en sorte collectivement, ça va prendre un petit peu d'ouverture au collectif. Fait que c'est quoi ton message à cette... Cette valeur, j'aurais aimé ça réfléchir à cette question-là plus longuement, mais ce que j'observe, OK? Ce que j'observe, on est dans un petit marché. On est 8, 9 millions de personnes qui parlent français. Bon, peut-être, bon, 8 en 8, là. Ouais. Dans un marché entouré de 350 000 qui parlent anglais. Mm-hmm. 350 millions qui parlent anglais. On est un des meilleurs endroits à vivre au monde. Mm-hmm. Qualité de vie. On a 4 saisons. C'est fantastique. C'est beau. Il y a de la place. On est choyé, tu sais. La seule chose qu'on a, c'est qu'on est petit. À mon avis, l'ingrédient magique, c'est l'entraide. En affaires, mais pas juste en affaires, at large. Okay? L'entraide, c'est ce qu'on vit présentement. Aujourd'hui, moi, je suis sur le conseil d'administration de l'école de l'entrepreneurship de Beauce, puis je suis allé là pour comprendre le mindset des Beaucerons. C'est juste ça, ils se tiennent. Mm-hmm. La communauté juive se tienne. Les francophones doivent se tenir. Quand on a fait le Québéking dans le temps, il se tenait. Okay? On doit se tenir, on doit s'entraider. Puis en s'entraidant, on prend de la force. Puis là, on peut travailler sur des affaires pas mal plus tripantes. La pandémie, tu regardes, on a créé avec différents collègues le regroupement des firmes de services professionnels indépendants. L'entraide qui est en train de se passer entre des gens, entre entrepreneurs de différents acabits, puis se donner des leads, donner des conseils, s'héberger, partager de la technique. L'entraide, là, c'est non seulement ça fait une différence, mais deux, ça fait du bien. C'est con, mais ça fait du bien. T'aides quelqu'un. Et quelqu'un dit, hey,
Merci bien gros. T'sais, mon plus grand trip, c'est quand les entrepreneurs m'appellent, des jeunes, puis ils me disent, hey, Sébastien, telle affaire, là, je ne sais pas trop. Que... Puis toi, qu'est-ce que tu as fait? Fait que là, je leur dis exactement ce que j'ai fait. T'sais, bon, pas bon, mob, t'sais, winner, loser. Là. Ils raccrochent, ils disent, hey, quoi, si tu n'as pas idée comment ça m'aide. Il m'a dit, je rentre à la maison dans ce temps-là, là, gars. Ma journée est faite, j'ai fait ma paye. C'est l'entraide. C'est l'entraide, Fait que puis il faut l'entraide, ça fait du s'entraider. bien. Ça fait du bien, ça ne coûte rien. Tu sais, il y a une affaire que tu n'as pas, tu as une quantité limitée dans la vie, là, il n'y a rien qu'une affaire. Tu sais quoi? Hein? C'est quoi? C'est notre temps, c'est notre That's it. existence C'est sur la le temps. Terre, là. C'est le temps. C'est la seule affaire que tu as en quantité limitée, OK? C'est le temps. Les idées, de l'aide, des conseils, de l'argent, tu en as toujours plus que tu en as besoin. Le temps. Comme on n'a pas beaucoup de temps, faisons quelque chose avec. Fait. Puis d'aider les autres, à mon avis, c'est une maudite belle façon de créer son temps. Les autres, on est dans le même service. Le monde, ils se disent, ah, oh, t'es en pub, t'es chanceux, tu fais des affaires, le fun. Hey, je sers du monde. Puis le jour où j'ai plus envie de servir quelqu'un, il faut que je fasse autre chose. T'sais. Puis fait l'entraide, puis même l'entraide envers le client. T'sais. Mais tu sais ce que tu nous dis là, Sébastien, puis on va rapper avec ça. On n'a même pas besoin de partir l'idée de restructurer une organisation collective pour ça. Hein? C'est comme Pendant tout. c'est un Pendant petit tout. message, reality check, ding, ding, ding. Ouais. L'entraide, c'est tout de suite accessible là, là, maintenant, dans la prochaine minute. Là. Fait que, Ça coûte zéro, comme dirait Louis Chambousson. Zéro point barre. Et c'est la façon dont Ouais. on va réussir à sortir de là la Ouais. tête pas trop basse ou la tête haute, c'est à voir. Ouais, mais je crois que oui, je crois que ça fait des sociétés qui sont riches. Puis l'entraide est à travers les générations, à travers les classes sociales, à travers des gens de différents milieux. Ben, c'est Il y a pas le lien, en fait, c'est la force du lien, tout simplement. Ben Là, oui, on c'est la se retrouve. société, c'est écoute. On n'invente Écoute, rien, là. je On trouve n'invente que rien. c'est inspirant tout ça, puis il y a des grandes vérités hyper accessibles dans tout ce que tu nous as raconté. Donc, ceux qui ont envie de partir en mode revoir le modèle, ben Ouais, allez-y, les ouais. autres, vous pouvez au moins capturer le Ouais, dessus, tu sais, puis les grands ouais. principes qui sont des principes dont on va avoir besoin, en tout cas cette année, ça c'est certain, puis probablement une couple Ouais. d'années en avant. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé avec nous, Sébastien. Merci à toi, c'est un grand plaisir, J'imagine toujours bien de te voir. que le collectif a une adresse Internet. Veux-tu nous la dire? Si les gens sont curieux, on Oui, peut c'est trouver. simple, c'est humanise.world. Parfait. Cette marque-là est née mondiale, alors on a mis .world, même si on est des Génial. fervents francophones. D'accord. Donc, on peut aller voir ça. Puis moi, je vous rappelle que si vous voulez écouter les balados passés, elles sont toutes disponibles sur balado.magalieco.com. Et également, tout disponible en format audio sur Spotify, iTunes et Google. Donc, ben, merci encore une fois, Sébastien. Merci Puis, à toi, ben, c'est un longue plaisir. vie au collectif. Un plaisir. Ciao.